Welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des informations pertinentes, des informations importantes sur les sujets crypto. Sachez qu'ici nous parlons de metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons de projets crypto, nous parlons d'éducation financière, car c'est le savoir et l'éducation qui te feront grandir, surtout l'éducation financière. Voilà, parce que vous savez très bien que 93% de notre population mondiale n'a pas reçu d'éducation financière. Nous avons été éduqués à travailler pour les autres. Donc, et également, vous allez bénéficier du décryptage de l'analyse fondamentale et technique des projets crypto. Voilà, si vous êtes abonné à cette chaîne, voilà. Donc, c'est aussi un avantage d'être abonné ici. Voilà. Et sans plus tarder, si l'une de ces thématiques vous intéresse, donc les gars, abonnez-vous maintenant pour ne rien louper. Donc, voici une très bonne nouvelle. Vous savez que Saitama, il y a de cela quelques semaines, aujourd'hui, elle avait subi un vilipendage de l'une des pattes de la plateforme CoinMarketCap qui avait signifié que l'un de ses développeurs, le plus important, avait été arrêté par le FBI il y a de cela quelques années, et cela a fait chuter le coin. Voilà, il est bien vrai que depuis environ 3 semaines, le marché est en baisse, mais cette information a beaucoup impacté sur le projet Saitama. Mais le projet Saitama est en train de sortir de sa zone de support. Voilà, elle est en train vraiment de sortir, elle est en train vraiment de remonter, elle a une tendance haussière. Et vous devez savoir que désormais Saitama est désormais certifié, voilà, désormais certifié, et cela va accélérer le portefeuille Saitama. Parce que vous savez que le Saitama Mars devait sortir, je crois c'était en novembre, mais ça n'a pas eu lieu à cause de plusieurs soucis. Mais cependant, pour moi, le projet est en train de refaire surface. Le projet n'est pas mort, il est en train de revenir. Voilà, parce que Saitama, c'est un très bon projet, c'est un projet que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc c'est un projet que j'apprécie beaucoup, mais il faudra seulement laisser le temps au temps. Pour moi, c'est un très bon projet. Donc pour ceux qui veulent acheter ce token là, je vais vous montrer 3 plateformes ici, 2 plateformes en l'occurrence. Il y a cette plateforme ici qu'on appelle Hotbit. Là, c'est une plateforme ici qu'on appelle Hotbit. Je laisserai le lien de cette plateforme aussi en description pour vous permettre d'aller vous procurer directement ici. Voilà, d'aller vous procurer directement des Saitama. Voici une plateforme ici, Hotbit, qui vous permet d'aller acheter directement du Saitama. Voilà. Là, je dois me connecter. Voilà, bon, ça va. Au milieu de ça, il y a cette deuxième plateforme ici, Hotbit, ici. C'est la deuxième plateforme ici, Hotbit. Qui va également te permettre d'aller acheter du Saitama sans toutefois réfléchir et à moins de coût. Parce que aller l'acheter sur Uniswap, les frais de gaz sont trop élevés. Voilà, les frais de gaz sont trop élevés. On va un peu taper là Saitama. On va un peu taper ici Saitama. On va taper là Saitama. Il était où? Voilà, c'était ici. Saitama, non, c'est pas ça. Non, il doit taper Saitama. Il faut mettre le i devant. Voilà. Voilà, Saitama, il est là. Voilà. Voici dans le projet en question. Voici, vous pouvez l'acheter ou vous pouvez trader directement. Vous pouvez l'acheter directement ici, là. Voilà. Vous pouvez l'acheter directement là. Voilà. Vous pouvez l'acheter directement là. Sans toutefois perdre le temps, parce que là le prix est en train de monter. Le prix de ce token est en train vraiment de prendre de la valeur. Donc les gars, voici les 2 plateformes, voilà, que je recommande. Et aussi elle manque aussi, mais bon, je laisserai le lien de cette plateforme ici en description de cette vidéo pour vous permettre de gagner. Voilà, pour vous permettre de gagner en temps. Voilà, pour ne pas réfléchir ou l'acheter directement. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.